Eh ben, on y est. Voilà, on était là hier, on est là aujourd'hui. On a pris quelques minutes de retard. On va tout répercuter jusqu'à la pause déj. Il y aura bien une pause entre Monsieur Jancovici et l'oratrice Laurence Berthéa. La pause de déjeuner qui était initialement longue de 2 heures, on va la raccourcir de 30 minutes, mais pour permettre toujours qu'il y ait voilà, des pauses entre les conférences. Ça, c'était le petit point logistique. C'est le grand bain aujourd'hui. Certes, il y a eu des happy few hier qui ont pu bénéficier d'ateliers. Vous savez que c'est la course comme chaque année. Ou en tout cas, si vous l'aviez oublié, parce qu'il n'y a pas eu les 2 dernières éditions, comme d'habitude, ça a été le cas à nouveau. Toute l'équipe Flupa, en tout cas, s'est mobilisée pour cette 10e édition à nouveau. Je vais simplement, on a fait des slides quand même, donc l'équipe identité graphique, autant qu'elle soit quand même là. Et génial. Si je fais ça, bim, ok, ça marche, parfait. Okay. Je meurs d'envie de vous raconter les 1001 showstraps, une showstrap qu'on a pu rencontrer depuis le début de l'organisation de cet événement. Alors là, c'est un discours que j'ai écrit avant d'apprendre qu'il y avait des potentielles perturbations. Donc ça vous dit l'ampleur des défis qu'on a dû relever pour revenir, en tout cas en physique. On pourrait même faire un manuel, hein, finalement, de comment ça se passe quand une quinzaine de bénévoles se mettent d'accord pour donner de leur temps, en plus de leur vie de famille, personnelle et pro, pour construire un truc qui a de la gueule. C'est vrai qu'après une édition qui a été annulée en 2020, une autre qui s'est faite en ligne et qui a été un petit peu, qui nous a fait rester dans notre coin, hein, et donc qui était un petit peu frustrante pour ma part, on a un peu kiffé ce retour en physique. Alors je dis pas ça parce qu'il y a 10 kilos de M&M's hein, qui vous attendent sur le stand Flupa, pas uniquement. et toutes les équipes qui ont mis les M&M's dans des sachets, avec des gants bien sûr, de 36 grammes chacun. Quand je pense à cette 10e édition, c'est d'abord à l'équipe organisatrice, à Flupa, à laquelle je pense évidemment que je voulais remercier d'avoir répondu favorablement à mes sollicitations de « si, si, on va le faire, si, si, on va inviter telle et telle personne, si, si, il va dire oui ». Voilà, et de m'avoir suivi dans cette aventure qui n'était pas gagnée. Donc merci à l'équipe Flupa. Pour info, moi je suis Nabil Talman, je suis président de l'association. J'ai eu l'honneur d'organiser cette édition. Vous voyez, on a 13 antennes en ce moment dans 4 pays. Généralement, quand hors Covid, on organise une 70aine d'événements à l'année. Et on a 2 gros événements. Vous êtes à l'un d'eux, les UX Days. Et le suivant, c'est les UX Camp. Est-ce qu'on en fera un cette année? On est en train de solliciter l'antenne de Grenoble. Hein. Ça y est, c'est presque officiel, je l'ai dit, voilà, Grenoble, mais c'est pas sûr. Donc on compte sur vos tweets pour faire du forcing et pour que ça se passe. C'est généralement en décembre, et le UXAMP, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais il n'y a pas de programme à l'avance. Une soirée inspirante le vendredi soir, et puis le samedi, les gens viennent pitcher leur sujet, il y a un choix qui est fait, et c'est comme ça que le programme se construit. Bien sûr, vous êtes invités à nous suivre hein, sur les différents réseaux. Nous avons un Slack où il y a plus de 2500, peut-être 3000 personnes qui échangent, c'est écrit là d'ailleurs, 3334, voilà, ça a peut-être changé depuis 4 jours. Je vous disais que ça avait de la gueule cet événement, ça c'est que mon avis, bien sûr, mais en tout cas, moi je suis hyper ravi des orateurs et oratrices, des animatrices et animateurs qui étaient là aussi hier, qui font cette édition, je suis content que certains aient dit oui il y a plusieurs mois, et qu'ils ont maintenu, en tout cas, leur venue aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir un contenu un peu différent. Quand on parle de curiosité, quand on parle de UX sans frontières, c'était de déborder de l'univers UX. C'est pour ça qu'on a une architecte qui va parler tout à l'heure, qu'on a une ethnologue, qu'on a une neuroscientifique, qu'on a pas mal d'autres profils. Et qui vont notamment, enfin normalement, vous titiller sur des disciplines annexes, connexes, complémentaires, qui peuvent aussi vous aider dans votre métier.
en tout cas sortir du cadre et puis voir, vu que notre métier c'est quand même de résoudre des problèmes, en tout cas d'améliorer la vie des utilisateurs, des consommateurs, des clients, etc. En tout cas, le défi qu'on a à relever, hein, c'est d'éviter un mur, si j'ai bien compris, toutes ces histoires de CO2, CH4 et autres NO2. Alors, c'est dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, je crois bien, mais on aura une confirmation tout à l'heure. Et donc, c'est pas pour rien que j'ai voulu donner le tout, en fait, avec la première conférence donnée par Jean-Marc Jancovici dans quelques instants. Et donc, il y aura davantage d'échanges aussi, il y a des pauses un peu plus grandes entre les conférences, il y a moins de conférences cette année. Et on a installé des meeting points aussi dans la Cité des Sciences, dans la Cité des Congrès, où vous pourrez poursuivre certains échanges avec les orateurs et oratrices d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était les animatrices, animateurs d'hier, d'atelier, les orateurs et oratrices d'aujourd'hui. Ça fait pas quatre pages, hein, c'est mes questions pour après, vous inquiétez pas. Les sponsors, évidemment, c'est une composante essentielle d'un événement. On remercie, bien entendu, de leur confiance, de leur envie, en tout cas, d'être là aujourd'hui, de revenir en physique, hein, de faire partie des acteurs qui comptent, en tout cas, dans notre écosystème. Donc CGI, qui est notre sponsor platine, Maïf et OnePoint, qui sont nos sponsors or, et puis, bien sûr, Farpection, Laptop, Nexton, Mirai, Testapic, Ludotique, Calliope, les sponsors argent, il y a des gens qui nous suivent depuis longtemps, il y a des nouveaux. Il y a aussi Société Générale et Balsami qui nous ont aidés à fournir de la vélotypie, comme vous voyez en ce moment. Donc ça aussi, on a commencé à le faire en 2019 et on tient toujours à le proposer. Pour rendre accessible vraiment cet événement-là. Et il y a aussi, bien sûr, des exposants qui sont aujourd'hui présents, comme d'habitude. Vous avez pu en voir certains. Donc, il y en a qui sont près des entrées de l'amphi Gaston Berger. D'autres sont plutôt à gauche et à droite, ou est et ouest. Donc, n'hésitez pas, à aller les voir et échanger avec eux et découvrir ce qu'ils proposent. Ce que je vous souhaite maintenant, c'est à toutes et à tous beaucoup de curiosité, hein, d'ouvrir vos frontières, et puis un bon événement. Et je vais présenter en quelques instants Jean-Marc Jancovici. Quand j'ai pensé à lui en novembre dernier, ça faisait grosso modo 2 ans que j'avais bouffé pas mal de vidéos, de conférences, d'interviews, de ces questions en visio aussi pendant le confinement, dans son salon. Et naturellement, je l'ai mis sur ma wishlist assez vite, en me disant que ça serait, je pensais naïvement que ça serait original de l'inviter. Et puis depuis qu'il y a eu la BD qui est sortie, Un monde sans fin, et le livre, le PTF, il est passé un peu partout et il nous a gardé un petit créneau, donc tant mieux. A priori, hein, je ne parlerai pas de cette rumeur, hein, que vous pourriez verdir le prochain gouvernement, ce n'est qu'une rumeur, et donc il est là aujourd'hui, on va en profiter. Il est bien sûr le fondateur de l'entreprise Carbon 4, président de The Shift Project, qui a notamment pour objet de limiter le réchauffement climatique et nous rendre résilients face à la raréfaction énergétique fossile. Le bilan carbone, vous connaissez, bien sûr, que les entreprises font ou doivent faire, et bien cette méthode de diagnostic. La paternité, on revient à Jean-Marc pour information. Je lui laisse la parole, je vous souhaite un bon événement et merci monsieur Jancovici de venir sur scène, on vous écoute. Je vous laisse remettre les documents. Voilà, je vous ai mis votre cahier des charges. Alors pour ceux qui sont pressés, la réponse est non. Et vous pouvez aller directement à la pause, puisque vous avez compris qu'elle serait raccourcie et en profiter un peu plus que les autres. Nabil m'a grillé la politesse. Donc ce matin, j'ai 1 heure en tout, peut-être 1h10, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de faire raisonnablement court pour la présentation et renvoyer, puisque vous êtes jeune et qu'Internet n'a pas de secret pour vous, à de saines lectures comme celle-ci ou à des vidéos que vous pourrez trouver en ligne.
des exposés plus complets, on va dire, sur le contexte, c'était un peu grossier, je pourrais dire la merde, dans laquelle nous sommes. Cette BD, elle doit beaucoup évidemment à son dessinateur. Hein, sans dessinateur, il n'y a pas de BD. Tout ce qu'il y a, donc nous nous sommes répartis les rôles. Tout ce qu'il y a de sympathique et d'appréciable dans la BD, c'est lui. Et le triste sire, c'est moi. Je vais vous parler ce matin un peu de changement climatique et d'énergie. Et je vais commencer, pour vous parler de changement climatique, par vous emmener au pays des Hobbits. Vous connaissez le pays des Hobbits, c'est-à-dire le pays où a été tourné Le Seigneur des Anneaux, la Nouvelle-Zélande. Je vous emmène au pays des Hobbits en 1912. Et en 1912, un journal un peu moins notoire que Le Monde ou L'Express en France aujourd'hui, vous voyez, une gazette de je ne sais pas quoi, publie un petit entrefilet dans le scientifique, hein, dans le journal, 1912. Hein. Comme vous êtes tous des anglicistes distingués, vous allez pouvoir lire ce qu'il y a dessus. En 1912, au pays des Hobbits, on sait que le CO2 émis par la combustion du charbon s'accumule dans l'atmosphère, que ça provoque une augmentation de la température par un effet de couverture, oui, c'est marqué, blanquette, et que l'effet pourrait être considérable, marqué considérable, à l'échelle de quelques siècles. Donc, en ce qui concerne le changement climatique provoqué par les activités humaines et notamment l'utilisation des combustibles fossiles, ça date pas de la semaine dernière, ça date pas d'il y a 10 ans, ça date pas d'il y a 30 ans, ça date de plus d'un siècle, en fait ça date même de 2 siècles, que les bases scientifiques de cette affaire ont été jetées. On célébrera dans 2 ans, si les petits cochons et M. Poutine ne nous ont pas mangé avant, le bicentenaire de la découverte de l'effet de serre par Joseph Fourier, scientifique français, et quelques dizaines d'années après, la découverte des gaz à effet de serre par une brochette de physiciens, dont une femme, à savoir le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, les deux principaux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Donc cette affaire de changement climatique, elle repose sur des bases scientifiques qui sont très anciennes. Ce qui est beaucoup plus récent, c'est d'avoir été capable de confronter ce qui nous attend aux évolutions passées et de comprendre si on était plutôt dans le registre de l'accélération à laquelle on résiste ou du fait qu'on va rentrer dans le mur. Voilà, c'est ça qui est beaucoup plus récent. Et évidemment, la réponse, c'est plus proche du mur, malheureusement, que de l'accélération à laquelle on va résister. Le climat a toujours varié sur Terre. Depuis qu'il y a un climat sur Terre, c'est-à-dire depuis qu'il y a une atmosphère, depuis 4 milliards d'années, ça en impose un peu, notre planète comporte une atmosphère et donc comporte un système climatique. Vous avez appris à l'école probablement qu'il y a longtemps, il y a eu des aires glaciaires, il y a encore plus longtemps, il y a eu des climats extrêmement chauds, des dinosaures, etc. Donc le climat a toujours varié sur Terre sous l'effet de la variation d'un certain nombre de paramètres astronomiques ou de la géographie. Ou de la géologie plus exactement terrestre. Récemment, ce qui s'est mis à faire varier le climat avant toute chose, c'est nos activités et le fait que l'on enrichisse l'atmosphère en gaz à effet de serre. Alors ces gaz à effet de serre, ils ont une définition très simple en physique, c'est des gaz qui ont la capacité d'absorber les infrarouges terrestres. C'est ça la définition physique d'un gaz à effet de serre. Le changement climatique, c'est avant tout de la physique. Alors c'est évidemment très désagréable pour les gens qui n'aiment pas la physique, mais si on veut bien parler et bien s'occuper de climat, il faut avoir compris un certain nombre de trucs élémentaires en physique, sinon on n'y arrive pas. D'où la tribune que j'ai eu l'honneur de signer il n'y a pas très longtemps et parue dans le JDD, qui appelait le nouveau gouvernement à se farcir 20 heures de cours pour comprendre un peu de quoi il retourne, parce que être nommé ministre, c'est pas comme réussir un examen. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de compétent dans un sujet technique donné, juste parce que vous avez été nommé. Dans le contexte de la Ve République, ça fait surtout de vous quelqu'un d'obéissant. Donc, c'est la règle, hein. Faut pas, voilà, c'est le cahier des charges. Et de confiance, à peu près. Donc, la perturbation que nous imposons aujourd'hui au système climatique est une perturbation physique. On va enrichir l'atmosphère avec des gaz qui interceptent un peu plus les infrarouges terrestres et de ce fait créer un effet de couverture avec tout un tas de perturbations que je vais vous décrire sommairement. Cet enrichissement, il vient donc de l'émission de gaz à effet de serre de la part des hommes. Alors, on en émet à partir de l'utilisation du charbon. Utiliser du charbon, c'est le brûler, essentiellement. Et brûler du charbon, c'est oxyder du carbone. Vous savez, le charbon, c'est essentiellement du carbone avec des cendres, un peu d'hydrogène, un peu, etc. Donc brûler du charbon, c'est l'associer à de l'oxygène et créer du dioxyde de carbone. Donc ça fait des émissions. Brûler du pétrole, même motif, même punition, c'est oxyder du carbone et de l'hydrogène et ça fait des émissions.
brûler du gaz, même si le gaz est naturel. Alors les gens, qui font du marketing pour le pétrole et le charbon ont un peu manqué d'imagination, s'il y en a dans cette salle, parce que le pétrole est tout aussi naturel que le gaz et le charbon est tout aussi naturel que le gaz. Donc on aurait pu parler depuis l'origine de pétrole naturel et de charbon naturel. Naturel, c'est bon pour vous. Donc le gaz naturel, en fait, c'est le gaz qu'on trouve sur Terre, par opposition au gaz de ville qui était artificiel dans l'ancien temps. Et ça émet du CO2. Après, en vert, vous avez la déforestation qui émet du CO2. La déforestation sur Terre, c'est essentiellement je coupe, je brûle pour supprimer de la forêt et mettre à la place des surfaces agricoles. C'est essentiellement drivé par l'augmentation démographique et le fait qu'on mange plus de viande. Ensuite, vous avez des émissions de méthane qui viennent à parité des activités agricoles et de l'utilisation des combustibles fossiles. Et enfin, au-dessus, vous avez le fameux protoxyde d'azote dont on vous a parlé tout à l'heure, qui se trouve être le gaz hilarant, qui sert également d'anesthésiant léger dans les hôpitaux. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre, vous voyez qu'elles augmentent et qu'elles embellissent depuis un siècle et demi. Et en fait, une des choses que je vais tout de suite vous dire, pour doucher les optimistes s'il y en a dans cette salle, c'est qu'aucune innovation technique depuis que nous avons des ingénieurs géniaux faisant du design, enfin ou plus exactement faisant de l'internet génial permettant de faire du design génial, n'a jamais mis au point quoi que ce soit qui de lui-même a limité la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Aucune innovation technique jusqu'à maintenant n'a d'elle-même limité la hausse. Vous voyez, je peux placer un certain nombre d'innovations techniques sur ce graphique. Par exemple, l'électricité commerciale commence à apparaître il y a un peu plus d'un siècle. L'électricité s'est surtout développée au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut savoir par exemple que la production électrique mondiale, comme aurait dit Coluche, en 1945, était juste un peu supérieure à la production électrique française d'il y a quelques années. Juste pour l'ensemble du monde. Donc l'explosion de l'électricité, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Bien, vous voyez sur cette courbe, ça a manifestement pas beaucoup fait baisser les émissions. On a mis les gens dans les villes. Il paraît que c'est vachement efficace, les villes, on se déplace moins. Bon, il y a de plus en plus de villes, on émet de plus en plus. On a fait de plus en plus de trains, on émet de plus en plus. On a fait de plus en plus de numérique, on émet de plus en plus. Et on a fait de plus en plus de trucs et de machins, le métaverse et Elon Musk qui veut aller sur Mars. Tout ça ne change rien. Quand vous regardez les émissions à l'échelle planétaire, j'insiste, aucune innovation technique, aucune d'elle-même, n'a jamais limité la hausse des émissions. Donc c'est l'ingénieur qui vous le dit. Pensez qu'à l'avenir, il suffit de donner les clés du camion, c'est le cas de le dire, à des ingénieurs en disant « ils vont nous trouver des trucs techniques et le problème va être réglé », il ne faut pas compter dessus. La résolution du problème ne viendra pas de là. Principal gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, donc le dioxyde de carbone, alors le dictionnaire est bien fait, c'est un oxyde, dit oxyde de carbone, un oxyde. Alors là, je vais encore un tout petit peu vous faire mal au crâne, je ne vais pas vous parler de physique mais de chimie. Il se trouve que sur Terre, les oxydes sont des molécules extrêmement stables. Dit autrement, si vous ne leur amenez pas de l'énergie pour changer leur forme, elles sont éternelles. Vous avez par exemple un oxyde que vous utilisez tous les jours, enfin je le souhaite pour votre conjoint, qui s'appelle l'oxyde de dihydrogène. Oh là là, ça s'appelle de l'eau. Donc tous les jours, vous l'avez sous les bras et ailleurs, sinon vous ne sentez pas bon et votre conjoint rouspète. Eh bien, l'oxyde de dihydrogène, donc l'eau, est présent sous forme d'eau depuis 4 milliards d'années sur Terre. Donc les oxydes, c'est assez stable. Une fois qu'une molécule est sous forme d'oxyde, elle aime bien. Depuis qu'il y a de l'oxygène dans l'air, tout le fer disponible sur Terre est disponible sous forme d'oxyde de fer. D'accord ? Donc quelques centaines de millions d'années. Donc les oxydes sont des molécules très stables et le CO2 n'y fait pas exception. Une fois qu'il est dans l'atmosphère, hors contact du sol, il est éternel. Il n'a pas de processus spontané d'épuration. Donc si vous rajoutez du CO2 dans l'atmosphère, tant qu'il ne revient pas au contact du sol, il reste là. Pour que l'atmosphère s'épure en CO2 en réponse à des émissions dans l'atmosphère qui ont lieu, il faut que le CO2 revienne au contact du sol où il peut lui arriver l'une des deux choses suivantes. Il peut se dissoudre dans l'océan. C'est un processus de vase communicant, tout bêtement. Donc il se met dans l'océan tant qu'il y a de la place, puis quand il n'y a plus de place, il ne va pas. Et il peut être repris par la vie, c'est-à-dire la photosynthèse, mais pour ça, il faut qu'il y ait de la vie. Donc plus le changement climatique va affaiblir les écosystèmes, et plus ce qu'on appelle le puits terrestre va s'affaiblir. Vous avez un phénomène d'emballement, une espèce de cercle vicieux. Alors comme ce processus est très lent, ce processus de reprise du CO2 par les écosystèmes ou l'océan, il y a une très mauvaise nouvelle qui est qu'à cause de cette très grande stabilité chimique du CO2 dans l'atmosphère, nous avons enclenché une expérience qui est désormais irréversible.
Alors, je vais vous l'illustrer avec ce graphique. Le fait d'avoir rajouté du CO2 dans l'atmosphère a créé un surplus dans l'atmosphère. Il y a plus de CO2 qu'avant qu'on ait commencé à faire joujou avec les centrales à charbon, les voitures et les cimenteries. Si demain matin, on arrête les émissions, d'accord, on les arrête totalement demain matin, qu'est-ce qui se passe avec ce surplus? Eh bien, ce graphique vous donne la réponse. Un siècle après arrêt complet des émissions, à peu près la moitié du surplus est toujours présent dans l'atmosphère. 1000 ans après arrêt des émissions, à peu près 20% du surplus est toujours présent dans l'atmosphère. 10 000 ans après arrêt des émissions, 10 à 15% du surplus est toujours présent dans l'atmosphère. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que du restant des temps historiques, quelques milliers d'années, l'atmosphère ne reviendra jamais dans l'état dans lequel elle était avant qu'on commence à utiliser les combustibles fossiles. Jamais. Et comme une partie des conséquences du changement climatique dérive directement de ce surplus de CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire que le système climatique et les écosystèmes associés ne reviendront jamais dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. L'état dans lequel nous sommes aujourd'hui va, au fil des décennies et des siècles à venir, disparaître à tout jamais pour des milliers d'années. Et on ne peut rien faire contre ça. Ce qu'on peut encore faire, c'est modérer la hausse. C'est-à-dire qu'on peut modérer la vitesse de la dérive et l'ampleur des conséquences à terme. Ça, on peut. Mais dire qu'on va remettre le système dans son état initial, c'est fini. Comme dit Petit Gibus dans la guerre des boutons, il ne fallait pas venir. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Voilà. Mais on ne peut plus revenir en arrière. Ça pose évidemment des problèmes très importants dans notre société de l'instantané, à laquelle vous contribuez, puisque Internet contribue à l'instantané, puisque nous avons un pas de temps ici à gérer qui est très au-delà des pas de temps que nous avons l'habitude de gérer, Donc ça va très au-delà d'une ou plusieurs vies humaines. Et par ailleurs, ça va très au-delà des pas de temps avec lesquels on gère aujourd'hui nos organisations. Alors, le monde politique se gère au rythme des élections, mais vous rigolez, vos clients ou les entreprises qui vous emploient, ou les sponsors qu'on a mentionnés tout à l'heure, se gèrent au pas de temps de quelques années. La stratégie de long terme dans une entreprise cotée en bourse, c'est 3 ans. 6 mois, les mauvaises années. La stratégie de long terme dans une PME, Carbone 4 est une PME, c'est quelques années. Donc, on a l'habitude aujourd'hui de gérer la société avec des pas de temps qui sont en complet décalage avec les pas de temps qu'il faudrait avoir en tête pour gérer ce problème-là. D'où le thème de la planification qu'Oship Project on a essayé de pousser en avant à l'occasion des quelques années qui viennent de s'écouler. Et une planification, c'est très clairement un système contraignant et stable. C'est ça une planification, c'est un système contraignant et stable. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, par exemple, il y a des gens qui planifient leurs études sur 10 ans ou 20 ans, vous planifiez les études de vos enfants, c'est contraignant, ils ne font pas ce qu'ils veulent, et c'est raisonnablement stable. Si tous les 6 mois vous changez d'orientation professionnelle, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça une planification. Alors à cause de la très grande stabilité du CO2 dans l'atmosphère, eh bien la concentration de CO2 augmente régulièrement. Et alors autre chose que je vais vous dire, pour continuer à doucher les optimistes s'il en reste, c'est que les COP ne servent strictement à rien. Vous savez, les réunions annuelles du climat, là. Ici, vous avez la concentration atmosphérique en CO2 dans l'atmosphère. Et ici, je vous mets la première COP, c'est-à-dire 3 ans après que la Convention climat a été signée à Rio. Alors, vous voyez l'évolution avant et vous voyez l'évolution après. Donc là, vous avez typiquement une expérience où vous avez un paramètre qui n'a pas d'importance dans l'expérience, c'est l'existence des COP. On peut vous en mettre d'autres. Alors, il y a des succès, il y a des échecs. Jusqu'à maintenant, ça ne fait strictement aucune différence. Pourquoi est-ce que c'est normal que ça ne fasse aucune différence? Parce que les COP, c'est des systèmes onusiens dans lesquels tous décident à l'unanimité. Donc il se passera des choses dans les COP une fois que les pays auront commencé à faire le ménage chez eux. Il ne faut attendre aucune aide d'une COP, au sens où tant que les pays n'ont pas décidé de prendre le problème à bras-le-corps chez eux, ce n'est pas un miracle venu de l'extérieur qui va régler le problème à notre place. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Alors, plus de CO2 dans l'air, qu'est-ce que ça va faire sur la moyenne de la température? Vous avez ici une courbe qui sort du dernier rapport du GIEC et qui vous donne une réponse. Le zéro de référence sur cet axe vertical, c'est la température moyenne de la planète sur la deuxième moitié du 19e siècle, donc 1850 à 1900. Ce que vous voyez, c'est qu'à la fin du 20e siècle, sous l'effet de nos activités, et ça ne souffre aucune espèce d'ambiguïté, la température moyenne de la planète avait déjà augmenté d'un peu plus d'un degré. Alors, un peu plus d'un degré, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a déjà tué 15% des coraux.
on a, même si on stabilisait la température à la valeur actuelle, le stress hydrique qu'on a commencé à imposer aux forêts françaises, par exemple, va tuer une partie de la forêt, même si on stabilisait la température à la valeur actuelle. Vous avez des récoltes qui commencent à souffrir ici et là. Vous avez des sécheresses croissantes qui commencent à apparaître ici et là. Vous avez l'année dernière au Canada 50 degrés, l'année dernière en Europe 50 degrés, en ce moment au Pakistan 50 degrés, dans quelques jours en France 36 degrés au mois de mai. Voilà, donc ça c'est juste 1,1 degré. Hein. Et vous voyez les projections de température pour l'avenir en fonction du scénario qu'on va suivre. Alors le scénario du bas, c'est Accord de Paris. Vous verrez à la fin ce que ça signifie en termes d'efforts. C'est clair que c'est pas du tout le monde dans lequel on vit. Et le scénario du haut, c'est tant qu'on a du charbon, on tape dedans. Alors marrez-vous, vous dépendez tous du charbon dans cette salle. Parce que l'Internet mondial dépend du charbon. J'y viendrai après, dans les émissions de gaz à effet de serre de l'Internet mondial, vous allez trouver la fabrication des écrans, tout ça c'est des pays asiatiques dépendant du charbon. Vous allez trouver de l'électricité, c'est bourré de charbon. Donc vous dépendez toutes et tous du charbon dans cette salle. Au premier ordre, c'est pas anecdotique, au premier ordre. Vous êtes des amis du charbon. Dans les scénarios que je vous présente là, vous voyez qu'ils sont très discriminés à l'échelle du siècle. Par contre, sur les 20 prochaines années, ils sont très semblables. Ça veut dire quoi ? Ça renvoie à l'inertie que j'ai évoquée tout à l'heure, et notamment à l'inertie qui est issue du CO2, enfin, du temps de résidence d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère. En fait, nous sommes dans une voiture où si on commence à appuyer sur la pédale de frein, la seule garantie qu'on a pour les 20 ans qui viennent, c'est que la voiture continue d'accélérer. Quelle que soit la force avec laquelle on appuie sur la pédale de frein, c'est après qu'on va commencer à voir la différence. Ce qui veut dire que si on commence à secouer les fesses au moment où les emmerdements sérieux sont déjà là, la seule garantie qu'on a à ce moment-là, c'est qu'ils augmentent. C'est un problème très compliqué, le changement climatique, parce qu'on est obligé de faire des efforts maximaux pour éviter un problème qu'on n'a pas encore vu. C'est compliqué, hein. On n'est pas câblé pour ça. Hein. On est des animaux, on réagit avec nos sens. Hein. Nos sens, ils me disent combien de personnes il y a dans cette salle, mes sens ne me disent pas combien de personnes il y a sur Terre. Hein. Ça, c'est ma cervelle qui me le dit, beaucoup plus compliqué à figurer. Hein. À l'échelle du siècle, ce que vous voyez, c'est qu'on parle d'une élévation de température de quelques degrés en fonction du scénario qu'on suit, et on va essayer maintenant de comprendre ce que ça peut vouloir dire en regardant le passé. Vous avez ici l'Europe, alors je suis désolé, de temps en temps je me plante de slide, elle n'est pas vraiment actuelle l'Europe que je vous montre là, c'est plutôt l'Europe pré-industrielle, c'est-à-dire les écosystèmes qu'on trouve en Europe avant que le changement climatique se déclenche. À ce moment, ce qu'on trouve en Europe, c'est essentiellement des forêts, sauf à ce qu'on les coupe pour faire autre chose, et on les a beaucoup coupées pour faire autre chose en Europe, notamment des champs. Ce qui veut dire que les végétaux naturels que l'on trouve en Europe, c'est essentiellement des arbres, c'est gros et ça se porte bien, parce qu'il ne fait pas trop chaud, pas trop froid et il pleut suffisamment. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Alors il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire sur Terre. Le climat est très différent, il est beaucoup plus froid. Et vous voyez que la géographie européenne est très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors la première chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre le suédois pour faire des sites en suédois. Il n'y a pas de suédois, au moins un problème de résolu. Toute la Scandinavie est sous la glace. De même, très bonne nouvelle pour le 15 de France que l'Irlande et l'Écosse. Surtout l'Irlande, l'Écosse, là on gère mieux. D'énormes calottes de glace sont également posées sur le Canada et sur le nord de la Sibérie. Pour constituer ces calottes, il a fallu de l'eau, hein, un glaçon, il faut de l'eau. Et l'eau qui a permis de constituer ces calottes est essentiellement venue de l'océan. La nature a fait un transfert d'eau par évaporation, précipitation, hein, de l'océan vers les continents. Et il y a tellement d'eau qui a été prise dans l'océan que le niveau de l'océan a baissé de 100 mètres. 120, pour être plus précis. Donc il n'y a pas de club de voile CGI dans la Manche, il n'y a pas de Manche. Il n'y a pas de paradis fiscaux dans la Manche non plus, il n'y a pas de Manche. Il n'y a pas de Brexit, puisqu'il y a la continuité territoriale avec les Anglais. Vous voyez que le trait de côte est beaucoup plus différent sur l'Atlantique que sur la Méditerranée, parce que les côtes méditerranéennes sont beaucoup plus accores. Hein, Le fond descend beaucoup plus vite quand on s'éloigne de la côte, et donc ça ne fait pas tellement de différence. Et pour ceux qui connaissent l'anecdote, on rentre dans la grotte Cosquer à pied.
Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec et ça vous donne des écosystèmes maigrichons en Europe qui ressemblent essentiellement à ce que vous trouvez aujourd'hui au nord de la Scandinavie. Et dans ces écosystèmes maigrichons, vous n'avez pas beaucoup de clients pour consulter vos sites internet puisque la population française est de l'ordre de celle d'une petite ville d'aujourd'hui, hein, une fraction de l'agglomération grenobloise où vous allez faire un camp en décembre que j'espère très sympathique pour vous. Donc le climat est très différent d'aujourd'hui. Quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, ça s'est évidemment opéré dans le cadre d'un réchauffement climatique global qui a marqué la fin de l'ère glaciaire, hein, la déglaciation. Ce réchauffement climatique global n'a été que de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous voyez le résultat d'une expérience grandeur nature que la planète a faite pour nous, entre il y a 20 000 ans et il y a 10 000 ans, consistant à réchauffer le climat de quelques degrés en 10, voilà, quelques degrés en 10 000 ans. Et vous voyez le changement extrêmement massif de géographie que cela a induit. Alors maintenant, je vais vous présenter la même chose avec une courbe. J'aime bien les courbes, surtout quand elles sont très belles. Vous avez ici donc une très belle courbe qui vous représente la variation de la température moyenne de la planète sur les 10 000 dernières années. Alors vous voyez que cette température a été, avec le même, la même échelle de référence, que cette température a été remarquablement stable. Et en fait, si nous sommes dans cette salle aujourd'hui, on le doit à ça. On le doit au fait que pendant 10 000 ans, le climat a été très stable, ce qui a permis l'émergence des sociétés sédentaires dont nous sommes les lointains descendants. Voilà la déglaciation. Voilà la variation de température du dernier siècle. Voilà la variation de température vers laquelle on se dirige avec un scénario ligne de pente, on va dire. Hein, voilà. On commence à faire des efforts quand ça commence à aller mal. Voilà. Donc vous voyez que comparé à l'évolution de la déglaciation, c'est considérablement plus violent. Et donc, avant de vous détailler très rapidement quelques conséquences, l'une des choses qui est absolument certaine, si on joue l'expérience des 3 degrés en 2100, c'est que ça se terminera avec la guerre partout. Pas juste la guerre en Ukraine, la guerre partout. Voilà. L'état standard du monde sera un état chaotique, violent, absolument pas démocratique, où nous aurons, en gros, un monde vraiment pas sympathique. Moi, je vous le souhaite pas, et je me le souhaite pas à moi-même, puisque j'ai évidemment l'intention de vivre un siècle et demi. Je suis sérieux. On est vraiment en train de parler, pardon de citer les bons auteurs, de guerre et paix. Enfin, je veux dire, c'est de ça dont on parle. Et évidemment, la préservation de la paix n'est pas comprise aujourd'hui dans notre système économique. C'est-à-dire que quand on paye aujourd'hui un objet qui va conduire à émettre des gaz à effet de serre, le fait que ça va déclencher la guerre, c'est pas inclus dans le prix. Hein. Pour rien. Alors, dans les conséquences sympathiques, une partie croissante, là je vais aller très vite, hein, je suis désolé, une partie croissante des régions du monde va devenir inhabitable parce qu'il fera trop souvent dans l'année chaud et humide. Et quand la température extérieure dépasse 35 degrés dans un air saturé d'humidité, on meurt. Hein. Donc là, c'est le nombre de jours par an, en fonction de l'élévation de température et de l'horizon, ça deviendra inhabitable, ça va concerner quelques milliards de personnes. Les précipitations vont baisser à certains endroits, l'évaporation va augmenter partout, et donc une fraction très importante des terres émergées va devenir plus sèche. Ici, vous avez en marron toutes les régions du monde qui deviennent plus ou moins plus sèches dans un monde qui se réchauffait de 2 degrés. Vous voyez que tout le pourtour du bassin méditerranéen est concerné, dont la France. Toute l'Amérique est concernée, sauf rares exceptions. Toute la Chine est concernée. Enfin voilà, donc il y a quelques milliards de personnes là aussi. Et l'essentiel de la production agricole mondiale qui est concernée. Dans un monde à 2 degrés, un tiers des terres émergées voit sa biodiversité s'effondrer. Là, vous avez l'évolution de 143 zones d'intérêt pour la biodiversité. Dès que c'est en pourpre, c'est que, en gros, vous avez une perte majeure d'habitat. Et ça, c'est dans un monde à 2 degrés. Et l'ensemble de ces zones représente à peu près un tiers des terres émergées. Donc la biodiversité s'effondre. Elle s'effondre déjà pour d'autres raisons. Mais à 2 degrés, l'insécurité alimentaire augmente partout dans le monde. Alors là, ce n'est pas quantifié en termes de degrés, mais les ouragans vont s'intensifier. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre parce que la température au sol va augmenter, mais la température de la stratosphère va baisser, ce qui veut dire que la différence de température entre le sol et la haute atmosphère augmente. Et ça intensifie la convection, ce qui met en route les phénomènes extrêmes. Donc les ouragans, ça, c'est dans les modèles, et probablement les tornades et les orages vont également gagner en intensité. L'océan va monter parce que l'eau chaude se dilate par rapport à l'eau froide et que les glaçons sur Terre vont fondre. Et à l'horizon de quelques siècles,
l'océan pourrait monter de plus de 15 mètres. Et le déclencheur, on est en train de le gérer en ce moment. Alors, si on ne veut pas de tout ce bazar, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez ici une courbe qui vous représente la réponse en température du système climatique en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Comme le CO2 a une très longue durée de vie, encore une fois, c'est la quantité totale qui compte. À fin 2020, on avait mis dans l'atmosphère à peu près 2300 milliards de tonnes de CO2 et en conséquence de quoi, la température est montée de 1,1 degré en gros. Si on veut tenir l'accord de Paris, 1,5 degré, à ce moment, on fait le chemin inverse et il faut qu'on se limite à environ 3000 milliards de tonnes au total d'ici à 2100, dont 2300 ont déjà été émises. Donc on a un problème budgétaire classique. Vous avez 3000 euros à dépenser, vous en avez déjà dépensé 2300, il vous en reste 700. Là, c'est exactement pareil. On a 3000 milliards de tonnes à émettre au total, on en a déjà émis 2300, il nous en reste 700. Si je rapporte 700 milliards de tonnes aux 80 ans qui viennent et au fait qu'on est en moyenne 9 milliards sur Terre et que je compare ça aux 2300 qu'on a déjà émises à une époque où on était en moyenne plutôt 3 milliards, ça revient à dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui, il a en gros le droit d'émettre un dixième des émissions que ses grands-parents qui mourraient aujourd'hui ont émises pendant leur vie. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Si on veut se limiter à 2 degrés, à ce moment, on a droit à 3500, 3600 milliards de tonnes et mon enfant est beaucoup mieux loti, il a droit plutôt au sixième des émissions de ses grands-parents. Sachant que les émissions, je ne vais pas avoir le temps de détailler, en gros, pilotent le niveau de vie, ça revient à dire que l'enfant qui naît aujourd'hui, il va devoir consommer 10 fois moins sa vie durant que ce que ses grands-parents, qui meurent aujourd'hui, ont consommé leur vie durant. C'est exactement ça que ça veut dire. Il faut que son pouvoir d'achat moyen sur sa vie soit divisé par 10. C'est ça le cahier des charges des 1,5 degrés et par 6 si on tient les 2 degrés. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors vous comprenez maintenant que ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts et que ça ne va pas se faire par un miracle décidé par un gouvernement au sein d'une population où le sujet économique continue à être la première préoccupation. Ça ne se fera pas dans ce contexte-là. C'est absolument certain. Je vais vous le dire autrement, ça veut dire que les émissions doivent être divisées par 3 au moins d'ici à 2050. Et alors pour tous les gens dans cette salle qui sont familiers des intérêts composés, s'il y a un banquier qui s'est introduit ici par inadvertance, une division par 3 en 30 ans, ça revient à ce qu'on ait une baisse de 5% par an, tous les ans, entre maintenant et 2050. Or 5% de baisse, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020. En 2020, les émissions planétaires ont baissé de 5%. Eh bien, il faudrait qu'on ait un Covid supplémentaire tous les ans pour tenir les 2 degrés. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Je vais vous le dire autrement, il n'y a aucune chance qu'on résolve ce problème, je dis bien aucune chance qu'on résolve ce problème si on ne se met pas dans quelque chose qui ressemble à une économie de guerre. Aucune. Et si on ne résout pas le problème de nous-mêmes, c'est le problème qui s'occupera de nous. Parce que bien évidemment, dans un monde qui se réchauffe et au surplus en pénurie de moyens, parce qu'à un moment, les combustibles fossiles, de toute façon, on en aura de moins en moins, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'ils sont épuisables. Un monde dans lequel on a plus d'emmerdements à gérer avec moins de moyens, c'est un monde qui implose de toute façon. Donc, il ne faut pas croire qu'on va avoir une sortie facile de cette affaire. Il n'y en aura pas. Et plus on procrastine, plus le moment où la sortie involontaire se fera sera désagréable. C'est un problème très classique d'addiction que nous avons. Tant que ça passe, c'est très sympa. Mais plus ça passe longtemps et plus la fin de l'histoire risque d'être désagréable. Alors si on regarde d'où viennent les émissions, et je vais terminer par ça, voilà un petit camembert qui vous donne la répartition aujourd'hui. 20% des émissions planétaires, c'est les centrales électriques à charbon, tout gaz confondu, dont la moitié se trouve en Chine, dont 80% se trouve en Asie, c'est-à-dire de là d'où viennent les semi-conducteurs, les dalles d'écran, les composants de réseau, les Huawei et autres fournisseurs de machins, c'est-à-dire tous les gens sans lesquels vous n'existez pas. Moi non plus du reste, puisque j'utilise un ordinateur.
7 à 8% des émissions planétaires viennent des centrales à gaz, des centrales électriques à gaz, ce qui veut dire que la production électrique à base de combustibles fossiles, qui fait aujourd'hui à peu près 60% de la production totale dans le monde, et qui est celle qui a le plus augmenté sur les 20 dernières années. Ce n'est pas du tout la production électrique à base de renouvelables qui a le plus augmenté sur les 20 dernières années, c'est la production à base de combustibles fossiles. Eh bien, représente un gros quart des émissions planétaires. Les cimenteries représentent 4% des émissions. Je les ai mises à part parce que la production de ciment, ça émet à cause de l'utilisation de l'énergie. Un four à ciment, c'est un truc où on chauffe très fort. Mais également à cause du fait qu'on casse des molécules de carbonate de calcium en deux dans une cimenterie, de calcaire en deux, et ça fait du CO2 aussi. Le reste des procédés industriels, c'est 12%. Et là-dedans, je parle des émissions directes. Je ne parle pas de l'électricité qui est consommée. Là-dedans, vous avez 4% pour les hauts fourneaux également et 4% pour la chimie de base. Donc, fabriquer des matériaux de base, c'est ça qui émet de manière massive au sein de l'industrie. Une fois qu'on a fait l'acier, le transformer en portière de voiture ou en boulon de 12, ça, c'est moins émissif. 5% des émissions planétaires, c'est les chaudières de bâtiments. De l'ordre de 14 à 15%, c'est les moyens de transport dans lesquels on va trouver 6% pour les 1,2 milliard de voitures que nous avons sur Terre, 4% pour les camions, je ne connais pas leur nombre exact, 2% pour la marine marchande et 2% pour les 20 000 avions. Et en ce moment, tout le monde se félicite du fait que le trafic aérien reparte à la hausse et que enfin les Français puissent retourner à Miami, ce que j'ai vu dans un reportage télévisé il n'y a pas longtemps, juste après qu'on se demande si le nouveau gouvernement allait être sérieux sur les questions d'environnement. Voilà. Mais enfin, ça n'a jamais la cohérence et les journalistes, ça fait assez souvent d'eux. 20% des émissions planétaires viennent de l'agroalimentaire, plus exactement de l'agriculture, peu de l'agroalimentaire. C'est des émissions d'origine agricole. Là-dedans, vous avez la méthanisation des bovins, vous avez la méthanisation des rizières, vous avez le protoxyde d'azote émis par les engrais après épandage, donc ce n'est pas leur fabrication, c'est l'épandage des engrais. Et enfin, vous avez la gestion des déjections animales, tout ça, ça émet du méthane. Et vous avez un tout petit peu le CO2 des tracteurs, mais c'est totalement marginal dans cet ensemble. C'est essentiellement des émissions hors CO2 qui comptent. 10%, c'est la déforestation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus amont de l'agriculture, puisqu'on coupe des surfaces pour faire des champs ou pour faire des pâturages. Ce qui veut dire que la fonction alimentaire au sens large, c'est un tiers des émissions planétaires. Et là, je le répète, vous avez deux déterminants, la taille de la population humaine, plus on est nombreux, plus on mange. Ça, c'est, voilà. Et la fraction de viande dans la ration alimentaire. Donc si on est contre la déforestation, il faut qu'on s'intéresse à d'autres trucs qui sont le planning familial et la viande dans la ration alimentaire. Et enfin, 7% des émissions viennent de processus divers, la gestion des déchets, les fuites de frigorigènes, etc. Alors là-dedans, je le répète, il y a le numérique dont vous dépendez qui joue un rôle. En 2018, le Chiffre Project avait sorti un rapport qui est celui qui, à date, nous a valu le plus grand nombre de citations médias, jusque dans le Hindu Times et d'autres journaux étrangers, dans lequel on s'intéressait à l'empreinte carbone du numérique et à la manière, éventuellement, d'essayer de le modérer. Alors, je vais vous sortir trois chiffres sur l'empreinte carbone du numérique. Le premier, c'est 4%. Aujourd'hui, si j'agrège les émissions annuelles de fabrication des smartphones, des ordinateurs, des serveurs, des composants de réseau, et le fonctionnement du système, donc j'agrège les deux, donc tout ce qui vient du digital, j'obtiens à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, c'est-à-dire l'équivalent de la flotte mondiale de camions, ou deux fois les émissions de la marine marchande. Donc dire que le digital s'est dématérialisé, comme aurait dit Zazie, pas la chanteuse, l'héroïne de Queneau, mon cul, pas dématérialisé du tout. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est le double de 4%, c'est-à-dire 8%, c'est à peu près le rythme de croissance des émissions de gaz à effet de serre du digital. Donc s'il y a un truc qui n'est pas soutenable dans le monde, c'est ça. S'il y a un truc qui n'est pas soutenable dans le monde, c'est le digital. Vous avez ici la décomposition par poste de la consommation d'énergie du digital. Donc vous voyez en gros, moitié fabrication, moitié fonctionnement. Les serveurs sont très peu présents dans la fabrication, très présents dans le fonctionnement. Par contre, les terminaux des utilisateurs, typiquement l'ordinateur que j'ai là, sont très présents dans la fabrication, très peu dans le fonctionnement. Ce qui veut dire que pour les serveurs, on a intérêt à les renouveler aussi souvent que possible si jamais ça économise un peu de fonctionnement. Par contre, pour les terminaux, on a intérêt à les renouveler le moins souvent possible, même si ça consomme un peu moins. Donc si vous voulez faire un truc utile dans le design, faites en sorte que les gens n'aient pas besoin d'upgrader leur smartphone et leur ordinateur en permanence pour utiliser le dernier gris-gris à la mode qui vous fait bicher comme pas possible. Si vous voulez être compatible avec le problème que je viens d'évoquer, faites du low-tech. Et alors dans le low-tech, ne faites pas de vidéo.
La vidéo aujourd'hui, c'est 80% du trafic de données sur le réseau mondial. Vous avez la décomposition là. Donc, les vidéos en ligne, c'est les services, on va dire. Donc, YouTube, le porno, Netflix. Les autres vidéos, c'est les trucs que vous envoyez à votre sœur, à votre frère, à votre tante, quand le petit dernier a fait sa première danse, dont tout le monde se fout, sauf vous, de reste. Voilà, c'est ça les autres, ou la vidéo de votre chien qui a fait je ne sais pas quoi, qui a renversé sa gamelle en mettant ses pattes dedans. Voilà, donc c'est ça, c'est les autres vidéos. Donc la vidéo en ligne, la vidéo sur Internet, c'est 80%, donc faites des sites sans vidéo. Voilà, c'est très simple, hein. Faites des sites qui ne nécessitent pas de remplacer le matériel, faites des sites sans vidéo. Dans les deux minutes qui me restent, je reviens à ce graphique. Et ce graphique, je vous précise une chose là-dessus. C'est que à peu près 60% des émissions, donc c'est beaucoup, mais ce n'est pas tout, viennent de l'utilisation de l'énergie. Donc le fait qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, cause des émissions. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à utiliser de l'énergie sur Terre ? Alors, c'est assez simple. On s'est mis à utiliser de l'énergie sur Terre parce que c'est hachement bon. Parce que, il y a quelques siècles, voilà à quoi ressemblait le monde dans lequel on vivait. 100% renouvelable. Je dis bien 100% renouvelable. Donc, incidemment, faire un monde 100% renouvelable ne pose aucun problème. C'est le monde dans lequel nous avons vécu, nous, l'humanité, depuis nos origines jusqu'à il y a deux siècles. Donc faire un monde 100% renouvelable ne pose aucun problème. Faire un monde 100% renouvelable en gardant les acquis de la civilisation industrielle, ça n'arrivera pas. Donc on peut faire un monde 100% renouvelable si on veut, il n'y a pas de problème avec ça. Ça n'est absolument pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, absolument pas. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il a été permis par l'avènement des combustibles fossiles. Et l'avènement des combustibles fossiles, ça nous a permis de faire ça. Les combustibles fossiles, c'est la bibine d'Iron Man. Iron Man est un personnage dont on sert énormément dans la BD que j'ai montrée tout à l'heure et qui symbolise en fait le parc de machines qui aujourd'hui travaille pour nous et qui nous rend exactement les mêmes services qu'Iron Man. Il a juste pas la même forme. Donc nous avons tous en permanence sur nos épaules un costume d'Iron Man ou d'Iron Woman ou d'Iron Person, si on veut faire des problèmes de genre, qui nous rend exactement les mêmes services qui nous rend exactement les mêmes services que le costume dans la BD de Marvel. C'est-à-dire que le bras gauche d'Iron Man, eh bien, c'est la pelle hydraulique ou c'est la presse hydraulique dans l'industrie. Le petit doigt gauche d'Iron Man, c'est le train qui transporte les marchandises ou les passagers. L'œil d'Iron Man, c'est le satellite ou le télescope qui voit extrêmement loin, etc. Et la bouche d'Iron Man, c'est un grand aspirateur. Donc vous avez aujourd'hui à notre disposition un parc de machines qui est d'une puissance absolument considérable. Et juste pour vous donner un exemple, une voiture aujourd'hui, c'est puissant comme des centaines de paires de jambes. Donc si vous aviez besoin d'esclaves pour avancer à la même vitesse que votre voiture, eh ben, vous auriez besoin de 500 domestiques payés pour tirer la voiture. Évidemment, vous n'auriez pas les moyens. Donc absolument personne dans cette salle ne roulerait en voiture sans combustible fossile. C'est pareil pour l'avion, c'est pareil pour etc. Et tout ce que vous portez sur vous, tout, etc., tout partout est fabriqué par des machines. En fait, si vous regardez la puissance des machines installées sur Terre aujourd'hui, elles ont permis, grâce à leur nourriture particulière, de multiplier la puissance des bras et des jambes des hommes par 200. Donc en fait, consommer de l'énergie, c'est un terme impropre. Vous ne consommez pas de l'énergie, vous domestiquez une machine. Consommer de l'énergie, c'est domestiquer une machine. Et le monde que nous avons créé est un monde de machines grâce aux combustibles fossiles et ça fait évidemment des émissions de gaz à effet de serre. Donc je vais terminer par ça. Ici, vous avez un petit graphique qui vous symbolise la façon dont le monde moderne peut s'écrire. On a des combustibles fossiles qui, comme toutes les ressources naturelles sur Terre, sont gratuits. Alors, vous allez me dire, avec l'essence à 2 euros le litre, c'est pas gratuit. Si, c'est gratuit. Quand vous payez 2 euros le litre d'essence, vous ne payez pas la nature. Vous payez d'autres hommes et d'autres femmes qui ont trouvé l'essence, trouvé le pétrole, fait sortir le pétrole, des états pétroliers qui réclament des taxes au passage, l'état français qui réclame des taxes au passage. Tout ça, c'est que des hommes. Il n'y a pas de nature là-dedans. L'existence du pétrole sur Terre est aussi gratuite que l'existence du vent. Aussi gratuit. Ces combustibles fossiles nous ont permis, grâce à leur combustion, d'alimenter des machines qui ont transformé tout le reste de ce qui nous tombait sous la main, pardon, et qui est gratuit aussi.
Ça a fait les 100 millions d'objets qui sont présents maintenant sur les sites de commerce en ligne que vous designez peut-être. Et c'est l'abondance de ces machines qui travaillent pour nous, a permis de diviser par 2 à 3 le temps travaillé des hommes en l'espace d'un siècle. Et nous avons affecté ce temps libre à prendre notre retraite, à faire des études longues, à partir en vacances, à être en week-end et à travailler 35 heures par semaine. Tout ça, c'est les machines. Donc les retraites, c'est les machines. Donc rallonger l'âge de la retraite, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est ce qui va nous arriver dans un monde plus sobre. Il n'y avait pas de retraite il y a un siècle et demi, ça n'existait pas. Le monde n'était pas assez productif, c'est-à-dire pas assez doté en machines, pour que les machines produisent à la fois pour les gens dits travaillants et les gens dits ne travaillant pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'études longues il y a un siècle et demi, parce qu'il n'y avait pas de machines. Il n'y avait pas de tourisme lointain, il n'y avait pas d'économie mondialisée, il n'y avait pas d'économie de service parce qu'il n'y avait pas de machines. Hein. Donc tout ce que nous avons fait autour de nous, c'est les machines, et aujourd'hui, tous les postes du gouvernement, pour parler de cette accroche dans l'actualité récente, dépendent des machines. Il n'y a pas que le poste du ministre de la Transition énergétique. Donc Madame Borne et Monsieur Macron dirigent un monde de machines. C'est ça qu'on dirige vraiment, et dans un monde dans lequel il y aura moins de machines, parce que c'est ça la sobriété énergétique, ça impactera tout, y compris les retraites, l'aménagement du territoire et la réforme de la fonction publique. Tout ça dépend de l'abondance énergétique. Voilà, et l'abondance énergétique, donc, il y a 2 sujets qui sont susceptibles de la limiter. Un dont je vous ai un peu parlé, le réchauffement climatique. Un dont je ne vous ai pas parlé du tout, qui est la limite à l'amont. Mais la limite à l'amont, elle a déjà commencé à s'exercer. Donc là, je ne rentrerai pas dans les détails. Le Shift Project a sorti plusieurs rapports sur la question. L'un des rapports dit, pour vous le dire en 15 secondes, que selon toute vraisemblance, les 16 premiers producteurs mondiaux de pétrole, hors Brésil et Canada, on n'a pas regardé ces deux-là, mais ça ne change pas grand-chose, devraient voir leur production globale divisée par 2 d'ici à 2050. Et donc la quantité de pétrole dont on disposera en Europe, qui importe, l'Union européenne importe 95% du pétrole qu'elle consomme, devrait être divisée par n'importe quoi entre 2 et 10, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Donc la sobriété carbonique, de toute façon, on va l'avoir. Et encore une fois, on l'aura soit de manière gérée, je pense que c'est préférable, soit de manière subie, auquel cas la décrue se fera par marche d'escalier, dont le Covid et la guerre en Ukraine sont des exemples parmi d'autres. Et j'ai terminé. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Et est-ce qu'on a envie de poser des questions maintenant ou pas? Je ne sais pas. Si, sûrement. Il y a 2 micros qui se promènent dans la salle. N'hésitez pas à lever les mains et on vous prêtera on vous donnera la parole. Allô? Oui, c'est bon. Je me lève. Merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre conférence. Alors déjà, on ne dit pas design, mais design. Voilà, je préférais le dire. Alors concrètement, donc, j'ai retenu qu'on ne doit pas faire de vidéos dans nos sites. On doit quasiment, effectivement, rien consommer du tout. Est-ce que dans les initiatives que vous avez pu croiser, je veux dire, dans le monde du numérique, vous avez des exemples de gens qui font mieux que les autres dans le numérique, que ce soit sur la consommation d'énergie ou sur le type de produits numériques en particulier? Pas vraiment, et pas même le Shift Project, puisque nous-mêmes, on met de la vidéo en ligne. Aujourd'hui, on est... Tous les secteurs qui découvrent l'ampleur du problème passent tous par les phases par lesquelles nous passons nous-mêmes quand on découvre un truc qui nous déplaît. Vous savez, il y a au début le déni, ensuite la colère, le deuil, le je sais pas quoi, bon bref. Le numérique se balade globalement aujourd'hui entre le déni et la colère. Hein ? La découverte du problème est récente. Alors déjà, il y a eu cet abus de langage qui a consisté à parler, moi je suis suffisamment vieux pour avoir vécu ça, de la dématérialisation quand on a cessé d'utiliser des factures papier, alors qu'en fait on a matérialisé le système encore plus qu'avant. Le système papier était globalement moins matériel que le système à base de... Il y a 40 métaux différents dans cet ordinateur, hein, donc beaucoup plus matériel. Et les gens du secteur ont été tellement convaincus pendant tellement longtemps
qu'ils amenaient une forme de... Du reste, le mot virtuel, c'est pareil, c'est un abus total de langage. Il n'y a rien de virtuel dans un ordinateur. La réalité, elle, enfin, je veux dire, c'est une autre forme de réalité, mais ce n'est pas du tout virtuel. Bon. Donc il y a eu une espèce d'autosuggestion généralisée qui s'est emparée du secteur avec d'autres termes, comme par exemple smart. Quand c'était numérique, c'était smart. Alors évidemment, si vous êtes smart, vous ne pouvez pas faire du mal à la planète. Parce que si vous faites du mal à la planète, vous êtes plutôt dumb. Donc, bon. Et on n'est pas passé de la smart tech à la dumb tech. D'accord ? Donc là, dans le monde du numérique, il y a eu globalement une espèce d'autosuggestion ou d'auto-intoxication, je ne sais pas comment il faut le dire, sur le fait que tout ce qui était fait allait globalement dans le bon sens. Alors, une fois que le digital s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça, on a vu arriver, par exemple, après la publication du rapport du Chiffre Project, tout un tir de barrage de gens qui disant « Oui, mais le numérique permet de décarboner le reste ». Alors, il y a même un truc qui a été sponsorisé par Orange, je veux dire du mal d'Orange, bien que ce soit un client de Carbon 4, qui a sorti une publication avec une méthode ni faite ni à faire, en expliquant que les émissions du numérique permettaient d'économiser 10 fois les émissions du numérique en dehors du secteur. Alors, je vais vous donner une règle de 3. Les émissions du numérique, c'est 4% des émissions mondiales. Si on économise 10 fois en dehors du secteur, ça veut dire 40% des émissions mondiales. Si les émissions mondiales avaient dû baisser de 40%, je pense qu'on s'en serait rendu compte. Bon. Donc bien évidemment, ce calcul ne repose sur rien. C'est complètement démenti par les faits de façon absolument évidente. Je ne vois pas en quoi le porno, ça décarbone l'économie. Un peu de mal à comprendre. Hein. Je discute ça, à mon avis. Hein. Les gens dont ça calme les ardeurs sont quand même pas très fréquents. Donc, non, d'une manière générale, on voit bien qu'il y a... 80% du Netflix, c'est pareil. Je vois pas en quoi ça décarbone l'économie de regarder Netflix. Enfin bon. Donc l'irruption du digital, en fait, aujourd'hui, prend à revers une bonne partie des gens qui étaient considérés de façon très positive jusqu'à maintenant dans le discours et dans le etc. Donc on est encore dans la phase du déni et de la colère, j'ai envie de dire, des gens qui essayent de faire des choses qui soient vraiment d'entrée de jeu extrêmement smart pour le coup, ou décarbonées, il n'y en a pas beaucoup. Alors dans le reste de l'économie, il n'y en a pas tellement non plus. C'est souvent des petites entreprises. C'est-à-dire que les grandes entreprises, après il y a un problème plus général, les grandes entreprises, elles sont prisonnières de la rente dans le monde tel qu'il existe. Donc penser que les grandes entreprises vont faire la révolution chez elles, à quelques exceptions près, ça ne sera pas le cas. C'est impossible. C'est bon ? Oui, bonjour. J'ai une petite question. Je trouve toujours que c'est un petit peu angoissant, même beaucoup. Et en sortant de cette pièce, qu'est-ce que vous auriez aimé que l'on fasse, que l'on change dans nos vies ? Passer du temps à regarder ce que signifie le problème. La raison pour laquelle on a, je le redis, j'ai signé cette tribune là pour 20 heures de formation pour les ministres, donc là vous avez eu quelque part quelque chose qui ressemble à une demi-heure de formation. En une demi-heure de formation, vous réorientez pas une vie. Pour réorienter une vie, il faut 20 heures, et quand je dis 20 heures, il en faut plutôt 100. Et 100 heures de formation, ça veut dire y passer du temps. Jamais on a réussi à résoudre un problème important sans y passer du temps. Si vous avez, ce que je ne vous souhaite pas, un problème majeur avec un de vos enfants, vous n'allez pas résoudre le problème sans y passer du temps. Donc là, on a un problème majeur avec la direction qu'on prend collectivement. On ne s'en sortira jamais sans y passer du temps. Donc la première marche de l'escalier, c'est d'y passer du temps. Après, il n'y a pas de solution qui soit presse-bouton pour tout le monde, partout, tout le temps. Il y a des partages d'expériences qui sont utiles. Si vous écoutez quelqu'un qui est dans le BTP ou la chimie, vous expliquez comment il a abordé le problème, ben, il y a des choses dont vous allez éventuellement pouvoir vous inspirer, parce que ça relève de la nature humaine, ça relève du partage d'expériences, etc. Des trucs qui vous serviront strictement à rien. Comment est-ce que j'optimise le débit de telle substance et telle température dans tel tuyau ? Vous, pas beaucoup vous aider. Voilà, donc y passer du temps, ça, il n'y a pas tellement d'autres réponses à faire. Vraiment, c'est ça la première marche. Et dans un premier temps, pardon pour la répétition du mot, c'est pas sympa. C'est pas sympa parce que la première fois que le médecin vous annonce que vous allez mourir, peut-être, passer du temps pour comprendre de quoi exactement et qu'est-ce que vous pouvez faire exactement, vous n'avez pas trop envie. Mais c'est quand même ça qu'il faut faire. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Il y avait une question qui est un peu dans la,
dans la même veine que la question précédente, c'est finalement de votre expérience dans les interventions dans la sphère politique, parce que j'ai l'impression que le problème est politique. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Parce qu'effectivement, je pense qu'on peut tous prendre du temps à essayer de se documenter, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau politique, finalement? Alors, ce qu'on fait au niveau politique, ça dépend beaucoup du système dans lequel on est. Si vous êtes en Chine, ce qui est important, c'est de parler directement aux dirigeants, parce que les dirigeants sont dans une position dans laquelle il y a une partie des choses qu'ils peuvent imposer à la population. Si vous êtes en France, qui est pour le moment une démocratie, vous êtes dans un cahier des charges totalement différent, puisque la démocratie est, malheureusement ou heureusement, une espèce de démagogie organisée. Donc, en démocratie, le problème se termine avec les élus, il ne commence pas avec les élus. Ce qui veut dire qu'en démocratie, il faut parler aux électeurs, ce qui est beaucoup plus long. Mais c'est comme ça. Le monde politique que je fréquente maintenant depuis 20 ans, j'ai fini par comprendre, parce que je suis un peu lent à la comprenette, qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose de lui parler, tant que vous n'avez pas avec vous une partie de la population qui va dans le sens de ce que vous venez défendre. Aller parler à un élu en lui disant « on a un problème et j'ai un plan à vous proposer qui répond au problème », ça ne sert strictement à rien, tant que vous n'avez pas une troisième carte dans votre jeu qui est une capacité de nuisance si le plan n'est pas mis en œuvre, c'est-à-dire en fait l'assentiment d'une partie de la population pour vouloir le mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle le Chip Project, en fait, depuis son origine, 2010, n'a jamais cherché à s'adresser directement aux élus, sauf exception, un peu aux élus locaux, parce que c'est un peu différent, et c'est a toujours cherché à s'adresser à la société civile en direct, notamment au milieu économique, au milieu académique, et à la haute fonction publique. Voilà, c'est ça les cibles qui nous intéressent. Le monde politique ne nous intéresse qu'en ce qu'il sera entraîné par les milieux que je viens d'évoquer. Mais aller s'adresser directement au monde politique, ça sert à rien, ça sert à faire de la com, mais voilà, sinon ça sert pas à grand chose. Tant qu'on n'a pas, je le redis, l'assentiment de la société civile. Bonjour et merci. C'est toujours aussi oppressant de faire ces constats, mais je vous remercie quand même. Dernièrement, j'ai entendu l'appel à déserter des étudiants de AgroParisTech. J'imagine que vous l'avez entendu. C'était assez inspirant, en fait. Et pour quelqu'un comme moi, qui vient du design, mais qui s'intéresse de plus en plus à la permaculture, les modes de vie entre guillemets alternatifs et qui se pose sérieusement la question de ma légitimité dans ce domaine ici. Je crois que j'espère encore peut-être de changer les choses de l'intérieur tout en me demandant si c'est pas plus intéressant de tout quitter et d'aller effectivement faire de la permaculture à Détroit ou autre. À Détroit, ouais. Pourquoi à Détroit? Parce que c'est un des endroits où il y a le plus de permaculture. Actuellement. Bon. Justement parce que... Et vous avez l'intention de revenir en France en avion de temps en temps ou pas? C'est un peu ça le problème, c'est justement, ouais. Si vous allez à Détroit, il faut y faire votre vie, sinon c'est bon. Exactement, ouais. Et plus revenir. C'est oui. Une alternative, ouais. Bon. Mais bon, aujourd'hui, on n'en est plus à justement des consensus. Alors, j'ai évidemment vu cette vidéo d'AgroParisTech, enfin des étudiants d'AgroParisTech. Il y a à la fois dans cette vidéo de l'angoisse, des choses auxquelles j'adhère et des choses auxquelles j'adhère moins. Ce qu'il y a, alors pour commencer par la partie sur laquelle j'adhère moins, quand on est jeune, puisque je suis passé par là aussi, je ne suis pas directement passé de bébé à vieux con, on est toujours un peu naïf. Oui, c'est un truc que mes enfants ont du mal à comprendre. On est toujours un peu naïf et donc on a une vision du monde qui est toujours un peu simpliste. Donc on n'a pas encore assez d'expérience pour comprendre comment les choses s'articulent. Donc il y a une partie naïve dans cette un peu yaka, ça suffit, etc. Mais c'est pas très grave. Le message essentiel est ailleurs. Le message essentiel, c'est ce qu'on va faire de nos propres vies n'est pas complètement neutre dans l'évolution du système. Et donc on a le choix. Et en particulier, moi, la question qui me paraît intéressante à développer à partir de leur intervention, c'est si on a envie d'agir, est-ce qu'il faut être dedans ou dehors? Alors là, j'ai une réponse très claire. Quand on est jeune, il faut être dehors. Penser qu'on va changer les choses dans une entreprise, dans une grande entreprise, en rentrant quand on est jeune, malheureusement, ça n'existe pas.
Vous arrivez à changer les choses dans une entreprise, paradoxalement, quand vous comprenez bien comment elle fonctionne et donc vous avez de l'expérience, par ailleurs que vous avez une légitimité. La légitimité dans une entreprise s'acquiert par des responsabilités opérationnelles, moins fonctionnelles. Donc il faut être patron d'une BU, d'une zone, d'un produit, je sais pas quoi, d'une ligne de fabrication. Sauf qu'une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez contribué à entretenir le problème. Et cette manière de faire vous est devenue familière et c'est compliqué de faire la révolution derrière. Donc il y a deux bons moments pour agir. C'est le moment où vous êtes jeune parce que vous avez envie de faire des choses, mais à ce moment dans l'entreprise c'est compliqué, donc c'est mieux d'agir depuis l'extérieur. Et il y a un deuxième moment, c'est au moment où vous commencez à dételer, parce que là vous êtes finalement vous avez tout compris. Et si éventuellement là, ce que vous avez compris vous convient pas, vous pouvez militer pour que les choses se passent autrement sans trop de conflits d'intérêts, puisque vous êtes sortant du système. Donc la bonne alliance, c'est entre les jeunes et les vieux à l'extérieur. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. La deuxième chose intéressante, c'est de rentrer directement dans une entité qui est alignée avec le sujet. Donc effectivement faire ou de la permaculture ou rentrer dans une exploitation agricole qui fait des choses qui paraissent intelligentes, ou ailleurs aller faire, je sais pas quoi, un atelier de réparation de vélo, rentrer dans une boîte, et même dans le secteur qui est le vôtre, c'est évident, donc ça renvoie à la question qui a été posée tout à l'heure, il y a probablement, moi je les connais pas, mais il y a probablement des entités, mais qui sont souvent des petites entités, encore une fois hein, l'innovation vient des challengers, des petites entités qui vont essayer de faire des trucs bien. Voilà, une autre voie possible est de rentrer dans ces entités-là qui font un peu plus partie du système que si vous devenez peintre dans la montagne, mais qui ont quand même une possibilité de faire changer le système parce que c'est des challengers et donc c'est des gens qui proposent quelque chose de différent et qui est en général aligné d'entrée de jeu ou mieux aligné d'entrée de jeu avec le cahier des charges. Ouais, je pensais plus à élever des chèvres, ça ira. Si vous ne prenez pas l'avion tous les 4 matins pour rentrer en France, oui. Merci. Bonjour. Tout d'abord, grand fan, donc ravi de vous voir en vrai. J'ai une question, vous parlez du problème. Là, on a vu une belle exposition et poser le problème, c'est commencer à le résoudre. J'aimerais savoir, au niveau des solutions, est-ce que de commencer à se former sur du low-tech, d'avoir l'approche solution technique, même de plus bas niveau, ou le travail d'évangélisation, puisqu'on travaille aussi dans ce domaine-là, de faire comprendre notre démarche et de, au final, faire tourner la bonne parole. Qu'est-ce qui, selon vous, a le plus d'impact et ce sur quoi on doit travailler, au final, pour faire rentrer ça dans les consciences de tous ? C'est vrai que j'ai des gens autour de moi qui commencent à se poser des questions, et d'autres qui ne sont pas du tout convaincus, même avec une exposition à quelques arguments. Du coup, qu'est-ce qui est pour vous le plus pertinent ? Est-ce que c'est montrer l'exemple ou être plus théorique ? La pratique, la théorique, est-ce qui convainc le mieux avec 20 ans du coup, de recul ? Les deux sont difficilement séparables. Vous avez, il y a quelques mois, un film dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « Don't Look Up », qui est passé sur Netflix, à la suite de quoi DiCaprio, qui a l'un des rôles principaux, a été à la fois encensé pour avoir joué dans ce film et dénigré parce qu'il a un mode de vie à titre personnel qui est très exactement aux antipodes de ce qu'il faudrait faire pour avancer sur le sujet. Donc c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui ne doit pas fumer quand vous-même vous fumez 20 cigarettes par jour. Ça marche assez mal en général. Ça s'appelle la mise en cohérence. C'est un des sujets qui concerne tous les gens qui sont actifs dans le domaine, c'est d'essayer de se mettre en cohérence eux-mêmes, ce qui est plus ou moins facile, on le fait à plus ou moins grande vitesse, de façon plus ou moins homogène. Moi, par exemple, il y a des domaines dans lesquels c'est très facile pour moi de me mettre en cohérence et des domaines dans lesquels c'est plus lent. Bon, c'est, voilà. Mais c'est compliqué de pas associer les deux, hein, d'une façon générale. Les gens qui sont réticents à changer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils raisonnent à l'envers par rapport à ce que vous croyez être leur raisonnement. Vous pensez qu'ils ne sont pas convaincus par les arguments et que c'est pour ça qu'ils ne changent pas. En fait, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas envie de changer pour d'autres raisons et du coup, ils vous expliquent que vos arguments ne sont pas bons. C'est dans ce sens-là que ça marche. Les climato-sceptiques, historiquement, ont toujours été des gens qui sont, en fait, prisonniers d'une rente, quelle qu'elle soit,
et ils n'ont pas envie de s'en défaire. Alors ça peut être une rente de réputation, ça peut être une rente économique, ça peut être une rente sociale, c'est-à-dire qu'ils occupent un statut, ils ont un cercle d'amis, etc., des relations familiales, et s'ils changent de valeur et ils changent de point de vue sur le problème que je viens d'évoquer, ils se coupent de tous ces gens-là, et c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc les gens qui ne veulent pas changer, en général, ce n'est pas pour des raisons d'argumentation rationnelle, et donc ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre avec une contre-argumentation rationnelle. Ces gens-là, il faut beaucoup plus les convaincre en essayant d'autres méthodes. Et une des choses qui est importante pour le passage à l'action, c'est justement le fait que ça se fasse dans un cadre collectif. Parce que si ça se fait dans un cadre collectif, vous barriez le changement dans les pratiques avec la conservation du lien social. Et les gens n'acceptent pas, moi le premier et vous le premier, de se couper de tout lien social parce qu'ils ont changé quelque chose dans leur mode de vie. Voilà, et ça, c'est pas suffisamment pris en compte, souvent, dans les préconisations pour passer à l'action. Oui, merci. Je suis, comme tout le monde ici, en train d'écouter des choses que parfois on connaît, parfois on écoute de nouvelles. Et moi, j'ai un constat et une question. Mon constat, d'abord, c'est de dire qu'aujourd'hui, je vois que les jeunes, ils sont plus sensibles, ils sont plus courageux, ils ont des très bonnes idées, et que la manière dont vous leur dites qu'il ne faut pas qu'ils travaillent avec des entreprises qui font de l'innovation ou qui font d'autres choses, je me pose la question si le futur de la France ne va pas en péril aussi. Parce que d'un côté, on dit qu'il ne faut pas prendre l'avion, d'un autre côté, il dit qu'il faut le faire pour l'économie, on vend des avions. On voit très bien que c'est un grand succès de pouvoir le faire. Le design circulaire, c'est vrai qu'il est arrivé un peu tard dans nos consciences et dans nos méthodes. Et je suis ravie que ça se pousse et que tout le monde essaie de le faire. C'est compliqué une fois qu'on a sorti quelque chose déjà dans le marché. C'est très difficile de corriger. Mais n'empêche qu'on peut, avec des nouvelles idées, dans entreprises importantes, pour ne pas les fermer, ou pour ne pas dire non à ce qui est existant, on peut vraiment essayer de changer des choses à l'intérieur. C'est plus difficile. Mais en collectivité, comme vous le dites, en communauté, avec des innovations locales, on peut faire des pépites qui peuvent facilement être récopiées ou copiées d'autres pépites à l'intérieur d'autres pays, qu'on puisse avancer. Mais moi, je trouve que envoyer un message si difficile aux jeunes, ça ne va pas être facile. Et au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, soit par des, comme vous le dites, par externe, créer des entreprises, des start-up, mais ce n'est pas donné à tous les jeunes, ce n'est pas facile. Et donc, il ne faut pas leur envoyer à Détroit absolument, parce qu'on voudrait bien que les jeunes qui ont des bonnes idées, ils restent en France. En tout cas, ma question, est-ce que vous en pensez, si on en va jusqu'au bout de la réflexion, s'il faut que la France arrête de construire des avions ? Ça n'est qu'une question de temps. Ça n'est qu'une question de temps, parce que le pétrole est épuisable, et que sans pétrole, on ne fera pas d'avion. L'avion à hydrogène, ça existe déjà, ça s'appelle la fusée Ariane, donc on n'en fera pas énormément. Donc ça n'est qu'une question de temps. L'aviation est née avec le pétrole en 1945. Mon père, donc moi je suis très vieux, mon père était donc encore plus vieux, était chercheur, est allé faire un post-doctorat aux États-Unis dans les années 50. Il est allé en bateau. Et pourtant, à l'époque, chercheur, ça faisait déjà partie des post-doc à l'université, ça fait partie de ce qu'on appelle classiquement aujourd'hui les catégories de socioprofessionnels supérieurs. Donc des gens comme ça n'avaient pas accès à l'avion dans les années 50. Donc l'avion pour tous, c'est quelque chose de très récent, c'est dû au pétrole, et quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'avion pour tous. Donc on arrêtera de fabriquer des avions. Alors est-ce que ça va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans, j'en sais rien, mais ça va arriver un jour, c'est absolument certain. On a sorti au Shift Project un rapport qui s'appelle « Voler en 2050 », dans lequel on explique qu'en fait, on ne réussira pas à aligner l'aviation avec un objectif de degré sans une baisse organisée du trafic. C'est la raison pour laquelle, dans le plan de transformation de l'économie française, on propose en France d'organiser cette baisse du trafic en diminuant progressivement les créneaux de décollage et d'atterrissage des aéroports. Alors en fait, comme le dit un de mes acolytes, surtout les créneaux de décollage, les créneaux d'atterrissage, on en laisse autant qu'on veut. Pas de problème.
Donc oui, on va faire moins d'avions un jour, c'est absolument évident. La seule question, c'est comment est-ce que tout ça va s'organiser ? Et j'en reviens à ma conclusion de tout à l'heure, c'est est-ce que ça se fera au travers de crises ou est-ce que ça va se faire de manière gérée ? Mais il n'y aura pas de troisième voie. Il n'y aura pas de troisième voie. Donc il peut y avoir des rémissions transitoires, c'est pas le problème. Par ailleurs, tout le carburant pris par les avions, c'est-à-dire par des riches, parce qu'il y a que des riches qui prennent l'avion, hein, en première approximation sur Terre, il est au détriment des produits pétroliers qui restent pour les pauvres. Donc là, il y a des arbitrages qui sont des arbitrages de type équité. Il faut savoir qu'un avion, c'est une baignoire de kérosène volant, hein, volante. Pardon. Quand vous faites un aller-retour transatlantique, vous consommez quelques centaines de litres de carburant, juste pendant le vol aller-retour, c'est-à-dire la même chose en gros que la consommation annuelle de carburant d'une petite voiture. Donc l'aviation dans le monde, c'est 8% du pétrole consommé. C'est un petit 10%. Hein. On ne parle pas de rien. Et c'est à 75% pour se changer les idées. C'est tourisme, famille, amis. Voilà, c'est essentiellement ça. Pas si on met ça dans les besoins existentiels. Donc la question... Après, la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'on doit faire peur aux jeunes avec un problème ? Oui et non. Enfin, si on leur cache la vérité, la probabilité qu'on agisse dans la bonne direction et que cette génération agisse dans la bonne direction ne me paraît pas plus élevée que si on leur raconte la vérité. L'intérêt de la jeunesse, quand même, il y a une très belle définition de la jeunesse que j'aime bien. Moi, c'est on est jeune tant qu'on se croit éternel et invincible. Donc s'il y a un âge auquel on est capable de se confronter à des défis, c'est quand même bien celui-là. Donc je pense qu'il vaut mieux, toutes choses égales par ailleurs, leur parler du problème que de ne pas leur en parler. Juste un petit point de détail sur les jeunes sont plus motivés. Oui et non. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, je connaissais déjà une version précédente, qui regarde la consommation de trafic aérien par tranche d'âge. La première tranche d'âge consommatrice de trafic aérien, c'est les 25-34 ans, et juste derrière, c'est les 15-24 ans. Donc le fait que les jeunes soient plus sensibilisés et donc plus acteurs, peut-être, peut-être pas. Peut-être sur certains sujets, pas sur d'autres. Et en ce qui concerne la consommation de numérique, c'est pareil. Les jeunes sont des gros consommateurs de numérique. Donc le fait que, parce que les jeunes sont plus sensibilisés, ils ont globalement un comportement plus vertueux, sur certaines tendances, oui. Sur d'autres, non. En tirer un constat global, c'est difficile. Bon, bonjour, merci pour la présentation. Votre référence à Iron Man, en fait, m'a inspiré un peu deux questions. J'ai un petit souci, en fait, de rapporter toutes les machines aujourd'hui à Iron Man, dans le sens où il fonctionne avec un réacteur à fusion, qui en soi, normalement, est écologique et consomme pas en soi d'énergie fossile. Donc je voulais avoir votre avis sur la question. Et pour rester dans l'univers Marvel... dans les derniers Avengers, il y a Thanos qui est considéré comme le méchant du film, qui supprime 50% de la population de l'univers. Est-ce qu'en soi, c'est pas un des plus beaux actes écologiques qu'on a vu au cinéma ? Si tous les gens, sauf moi, dans la salle, sont d'accord pour faire partie des 50%, ça me pose pas de problème. Est-ce que la fusion va changer quelque chose à l'avenir ? Réponse non. Enfin, ou ça va arriver tellement tard, si ça arrive un jour, qu'on sera hors délai. La fusion, aujourd'hui, elle est très propre et très merveilleuse parce qu'elle n'existe pas. En général, une fois que les trucs existent, ils sont moins propres et moins merveilleux. Mais surtout, ça arrivera beaucoup trop tard pour qu'on puisse en faire quoi que ce soit. ITER n'est pas un réacteur électrogène. C'est juste un réacteur qui doit démontrer qu'on est capable de maintenir une réaction de fusion quelques minutes, le temps de récupérer plus d'énergie que celle qu'on a utilisée pour chauffer le plasma, quelques millions de degrés. Faire un réacteur électrogène à fusion, si on arrive à faire un prototype pour dans quelques décennies, ça sera le bout du monde. Or, il se trouve que dans quelques décennies, on doit avoir réglé le problème. Donc, voilà, ça arrivera trop tard pour ce qu'on doit faire dans les quelques décennies qui viennent. L'autre sujet sur la population, oui, bien sûr que c'est un sujet, la population. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la question démographique est un sujet. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on en parle peu. Alors qu'il y a quelques dizaines d'années, quand la préoccupation environnementale a commencé à augmenter de manière très forte, hein, la préoccupation environnementale, elle a connu une très, très, très grande accélération à la fin des années 60 et au début des années 70. Difficile de savoir exactement pourquoi à ce moment-là. Il y a plusieurs événements qui peuvent y avoir concouru. L'une d'entre elles, c'est la conquête spatiale, le fait qu'on ait vu la Terre depuis l'espace. Et donc, à ce moment, nos sens nous disent « Tiens, c'est fini. » Pas très gros, une boule.
Ça a pu être le premier choc pétrolier qui a été un gros coup de semonce sur la disponibilité de l'énergie et des ressources. Enfin, je sais pas quoi. Et dans c'est de ces années-là que date la formation des grands mouvements environnementaux Greenpeace. Le WWF, c'est la fin des années 60, Greenpeace 70, les Amis de la Terre 70, enfin début des années 70. Le Club de Rome, début des années 70, donc les travaux de Meadows sur la croissance, fin des années 60. Donc c'est vraiment une époque qui a été foisonnante sur ce sujet-là. Et à ce moment-là également a été écrit un bouquin, alors je ne sais plus exactement, qui s'appelait « La bombe P », et qui disait « La planète va être surpeuplée ». Et alors aujourd'hui, alors qu'elle l'est, objectivement, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'exploser les unes derrière les autres toutes les limites planétaires, et le premier déterminant de ça, c'est la démographie, c'est un sujet de débat qui n'existe plus tellement, ce qui m'étonne un peu. Alors une fois qu'on a dit que c'était un sujet, cela étant, c'est pas un sujet facile à traiter. C'est pas un sujet facile à traiter parce que la question des enfants, c'est quand même un truc qui est extrêmement affectif, tripal. Ça touche à nos instincts, hein, celui de la reproduction. Ça touche à des convictions morales, religieuses, etc. Donc c'est des débats qui sont des débats merdeux par excellence. Mais c'est un sujet. C'est un sujet. Et donc il y a, de mon point de vue, c'est pas illogique, c'est pas impertinent, c'est même très pertinent de commencer à essayer d'aborder ce genre de sujet de la façon la plus douce possible. Et il y a, pour conclure ce point-là, un homme qui a été chef économiste de l'AFD pendant quelques années, qui par ailleurs est un prêtre jésuite, qui s'appelle Gaël Giraud, il y a probablement quelques personnes dans la salle qui le connaissent un peu, c'est un économiste également, qui avait dit dans une déclaration publique que si on était sérieux sur l'aide au développement dans ce pays, au lieu d'aider les pays à faire des ponts et des routes, on les aiderait à faire trois choses qui sont des facteurs limitants volontairement de la démographie, qui sont la maîtrise de leur destin par les femmes, ce qu'en anglais on appelle empowerment, dans lequel il y a évidemment l'accès à l'éducation, parce que les femmes éduquées et maîtresses de leur destin font moins d'enfants que les autres. Voilà, c'est un constat. La deuxième, c'est évidemment l'accès au mode de contraception. Et la troisième, c'est l'accès à des régimes de solidarité nationale. Quand vous avez des régimes de retraite ou des trucs genre sécu, eh bien, on est moins tenté de faire beaucoup d'enfants pour compter sur eux quand on est malade ou vieux. Donc ça, c'est des modes d'action qu'on peut considérer comme étant des modes qui ne sont pas sanguinaires et violents. C'est un peu moins violent que ce qui se passe dans Avengers. Le risque, évidemment, à ne pas faire ce genre de choses, c'est que la régulation s'opère par des méthodes beaucoup plus violentes, type pandémie, guerre, famine. Alors la guerre, même la guerre, ça diminue pas vite la population. Hein, c'est pandémie et famine qui vont vite. Guerre facilite les deux premiers. Mais c'est évident que si le monde est hors d'équilibre avec 8 milliards d'habitants sur Terre, on ne restera pas indéfiniment à 8 milliards d'habitants sur Terre. Et donc la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on va se prendre sur la figure qui régulera les 8 milliards? C'est ça la question. Donc le pendant de « on ne s'occupe pas de la question démographique », c'est comme pour le changement climatique ou l'énergie, c'est le problème s'occupera de lui tout seul, à nos dépens, très vraisemblablement. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour vos questions.